Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Brawl Stars avec l'événement Halloween. Je trouve que vraiment les musiques sont vraiment sympas. Ils ont une bonne originalité, mais ici on va essayer de... Oula. Allez. Ok, let's go. Ça passe. Ok, c'est bon. Je pense qu'on est bien parti pour un petit top 1. On va essayer de s'en faire un en tout cas. Ce serait vraiment cool. Hop, on pré-shot. Et on touche. On va essayer pré-shot aussi. On pré-shot à gauche. Ok. C'est bon, on va pas mourir. Ça, c'est déjà ça. Ok. On ne meurt pas, c'est déjà ça. Hop, on va essayer de... Oula, non, ne meurs pas. Faut qu'on lance un pré-shot. Ok, c'est bon, on a récupéré de la vie. Allez, hop. Double pré-shot. Enfin, double pré-shot. On touche. Et nickel. Et on fait notre premier top 1 de la soirée. C'est vraiment pas mal. En fait, j'aime bien cet événement où on est un peu en fantôme et on perd tout le temps de la vie. En tout cas, cela nous force à chercher le fight. Du coup, c'est plutôt intéressant. J'aime bien, franchement. Et on gagne nos petits trophées. On passe à 2800 trophées. C'est vraiment pas mal. Nice. Donc, on va essayer de continuer un petit peu. Combat de géant, début de nombre de jours, ok, chasseur d'étoiles solo. Ah, ça on va essayer de faire. Et c'est parti, on est avec chasseur d'étoiles. J'espère qu'on va être dans les premiers en tout cas. Ce serait super intéressant, ce serait super cool. Du coup, dites-moi un peu votre mode préféré sur Brawl Stars que vous jouez. Là où vous en sortez le mieux, évidemment. Mettez les brawlers pour gagner des étoiles. On va essayer d'en gagner pas mal. Ok, on touche. On va pouvoir le kite de loin. Oh mince, j'ai mal fait mon auto-shoot. Ce qui est bien, c'est quand on tire avec notre arme. Ok, il y a moyen de le chercher. Et on touche deux fois, ça c'est bien. Vraiment pas mal. On va poser notre top petite tourelle. Comme ça on va se protéger. Pac. Et double shot. Qu'on touche évidemment. Le sixième, ok. Hop. Et on touche. Wow. On va essayer de garder évidemment notre tourelle en vie. Ce serait super cool. Notre tourelle est morte. Pas grave. On va toucher El Costo. On va lâcher notre nouvelle tourelle. Il fait le taf, hein, notre tour. Oh, on a un brûleur gratuit ici. Ok, c'est gratuit, ça c'est gratuit. C'est tout frais. Ne meurs pas. Oh mince, on est mort. On est 3ème, on est rang 3 sur 10. Rang 4. Ouh, ça va être compliqué. On doit se partir. Là, on en a un. On a peut-être un deuxième. Ok, ça touche. Allez, ça touche. Ça touche, nickel, on est deuxième. Oh, dommage. Deuxième sur 10. Vraiment pas mal comme événement. Nous passons à 2800 trophées, c'est vraiment pas mal. On va essayer de vite rechanger. Brawl Ball, non, on va faire du braquage, je pense. On va vite faire un petit braquage. Est-ce qu'on est... Ah, nice. Et on est parti sur du braquage. J'espère que ça va bien se passer, cette partie. En tout cas, avec notre brawler tel que celui-ci, on est plutôt pas mal. Hein. Je vous l'avoue. Ça me fait plaisir de jouer autre chose que du spike, comme d'habitude. Ici, ah c'est bon, on va pouvoir focus leur coffre. J'espère qu'ils vont défendre. Ce sera bien de défendre. Hop là. Ok, cool. Et ça touche. Ouf, j'espère qu'on va pas se faire tuer.
sur le côté. Petite tourelle qui va faire plaise. Ah mince, la tourelle ne fait pas le taf. Ça va être compliqué. On tue en face, ok, c'est bien. Et ce qu'il faudrait, c'est une brèche dans le portail. Ok, la tourelle qui est posée. Et on va forcer le coffre. Et normalement, ça devrait passer tout seul, le coffre, je pense. Heureusement que nos projectiles touchent tous les adversaires, en tout cas, sont dirigés vers les adversaires. On va pouvoir se focaliser ici. Ils ne touchent pas. Ok, on touche. On va poser notre tourelle. Et nice, on vient de gagner cette trace de gemmes. Non, ce braquage, pardon. Braquage de gemmes. Nous passons à 2816 trophées. Et ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'on va finir avec un petit survivant en duo. J'espère qu'on a un bon coéquipier. Allez, let's go. Ah, on est avec Spike. C'est plutôt bien. C'est plutôt un bon signe. Je pense qu'on a une bonne cohésion. Ok, nickel. On va pouvoir lancer en bas. On a fait un pré-shot, mais on a mal fait. Ok, let's go. Pré-shot. On va essayer de les amener vers le haut. On va essayer de les amener. Et on touche. Et on touche deux fois même. C'est plutôt bien. On va essayer de récupérer notre gemme ici. 1000. C'est bon. On va essayer de récupérer une gemme de notre coéquipier. On va essayer de les avoir. Et on est déjà en survivant. Hop, 1007. On esquive. On va essayer d'attendre de régénérer toutes nos. Oups, on a mal joué. Mince, mince, mince. Vite, vite. Oh zut, ça va être compliqué. J'espère que Spike il va bien jouer cette fois. Oh nice. Cours, cours, cours. Il y a moyen qu'on. Oh dommage. On a perdu contre Rosa. Ah, quel dommage, on finit top 2 sur cette partie. En tout cas, ça sera la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner ou encore à liker et à partager. Ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez encore là. Aujourd'hui, nous sommes plus de 1050 et ça fait toujours plaisir quand on soit arrivé à ce fameux chiffre. Merci à vous. Je sais que pour l'instant, je ne fais pas beaucoup de vidéos étant donné que je suis assez chargé avec mon horaire de job et mes cours. Du coup, j'ai un rythme un peu plus cool. Mais je vous promets de ne jamais arrêter YouTube et de continuer les vidéos. En tout cas, merci à vous et à la prochaine. Salut, salut!